Hola les close friends! Yo les refs! J'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui. Moi, je me fais encore traîner dans des choses obscures. Ça fait un petit bout que j'ai eu l'éclair de faire ce genre de vidéo là. C'est pas genre un trend de back then ou quelque chose de même? Ouais. C'est un vieux trend du old YouTube gang. C'est Boyfriend Does My Makeup. Je pense que ça s'appelait de même. Aujourd'hui, c'est Boyfriend Does My Makeup. J'ai hâte de voir si ça risque d'être drôle. Ben easy going, on va boire mon petit café pendant ce temps-là. Là, j'ai pris ma douche là, comme une heure. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Mais sinon, j'ai rien sur le visage à avoir des poils. Je laisse savoir, est-ce que tu vas sérieusement ou je te fais une face de clown? Fait que cheers! Ben le but c'est comme... Je sais. Que t'essayes de tout faire les bonnes étapes dans le bon ordre. Puis là, moi je pense que t'as une longueur d'avance. Mais en même temps, ça fait longtemps. À une époque, on écoutait plein de vidéos de beauty guru qui a déjà écouté comme avec moi. T'sais, j'imagine que t'as déjà une base si tu t'en rappelles, mais en même temps, j'ai hâte de voir. Je me rappelle de fuck all. Depuis tout à l'heure, j'essaie dans ma tête de comme me faire un petit refresh. Et anyway, le but, c'est que c'est ça. Là, moi, j'ai pas le droit de t'aider. Puis il faut que t'expliques comme c'est quoi ton cheminement dans ta tête. Mais c'est ça, là, on dirait que... Par quoi tu commencerais, genre? On dirait genre que je serais porté à build-up, genre, tu sais, en partant du fond en avant, par en avant, mais genre, mettons le fond de teint, puis après ça, comme les yeux, les cils, nanana. Il me semble dans mes souvenirs du lieu, elle commence par les yeux, puis ça, puis après ça, elle fait le reste. J'ai pas le droit de... Ben, je t'explique ça. Ouais. Peut-être que tu commences avec quoi? Je sais pas, je suis un peu pris au dépourvu. C'est quoi ça? Ok. Le plus long, je pense que ça va être que tu partes, là. Ouais. Ok, ça me semble que c'est genre vers la fin. Un illuminateur. Ça, c'est genre comme pour illuminer. Je pense. Mia, tu vas m'aider? Ça, c'est la foundation. Ça, c'est la dernière. C'est de l'eau d'aquifère. C'est ça, c'est la dernière affaire. Puis là, tout fini, là. T'es seté. Ça veut pas dire non plus que toute l'actu doit être utilisée. Ouais, je sais, il y a des affaires que c'est la même affaire. Mais... Ouais. Ça, c'est quoi? C'est bien. C'est genre un échantillon de fluide menstruel ou. Même des menstruations, c'est pas fluide normal, en tout cas. Non, c'est plus pour la couleur, je crois. Ok. Ah ouais, c'est un blush, liquide de même. C'est bien fucké. Ouais. Dans ma tête, un blush genre fucking genre semi-poudreux, semi-crémeux. Super cream or concealer. Je sais pas c'est quoi un concealer. J'ai souvent entendu ce mot, mais lui il est encore neutre, tout emballé, ça veut dire que tu t'en sers pas. Les ombres à voix pierre, c'est ça que je cherchais depuis tantôt, Esti. Il me disait, Chris, me semble qu'elle n'a pas de ça. C'est dur de pas aller puis répondre à... Ouais, mais c'est fucké, c'est pas écrit clairement ces affaires, c'est quoi qui est quoi, tu sais, je sais un peu à quoi c'est supposé de servir, genre. C'est un multistick. Multistick, là, dans le fond, c'est multitasking, tu peux tout faire avec ça, ok? Des paupières jusqu'au menton. Mais faut commencer à m'en aller, là. C'est ça que je suis en train de me dire. On dirait des petites pellules. Dans le fond, c'est ça ici, c'est un échantillon du Sephora. Marc, Lia, je vous l'ai déjà dit souvent, j'aime vraiment leurs produits. Peux-tu, je vais essayer de faire des genres de shit que t'aurais pas fait toi-même. Mm-hmm. Comme ça, je sais que c'est un genre de petit vert olive kaki, genre un peu. Je sais que d'emblée, elle aurait pas mis ça par elle-même. Là, avant de mettre ça, là, je m'en allais mettre de l'ombre propre. Mais avant de mettre ça, il me semble qu'il faut mettre un genre de shit pour décolorer ton mauve en dessous des yeux pour unifier cette patente-là avant. Mais shit. Ouais, mais c'est parce que je sais pas c'est quoi. Je sais qu'il faut mettre ça, mais je m'en souviens plus c'est comment ça s'appelle. Toi, tu penses beaucoup aux vidéos de Cédulé disant, ce que tu... Ben, j'essaie. C'est ma seule référence que j'ai, Calis. Correcteur de teint. Yes, esti, on va y arriver! La roche posée, correcteur de teint. C'est un correcteur de teint, puis il faut corriger la couleur de ça ici. Fait que j'imagine que ça doit être ça. C'est vraiment bizarre. Je m'en dis de me faire maquiller. Je me rappelle pas vraiment. À part ma soeur m'a déjà maquillée une ou deux fois. Là. Ça, c'est pas le pinceau que Gégé peint sur la maison à grandeur avec? Non? Non, les pinceaux que Gégé s'amuse avec, je les ai pas dans mon okay. Mais ça irait mieux qu'un beauty blender, je pense. J'ai l'impression que tu peintes sur une toile. Ouais, c'est un peu ça, parce que ça se blende pas partout. Ça, on dirait que c'est ça. Là, c'est vraiment bizarre. Comme chatouille. Ça ne fonctionne pas partout. Je sais pas pourquoi. Mais là, moi, je me vois pas en plus. Est-ce que tu vois tous les traits de pinceau pis tout, vraiment comme si tu... Là, si tu focuses sur moi, j'ai pas mis les lunettes. Ouais. Ok, après. Tabarnak, ça sera pas beau. On dirait que j'ai goût de genre
mettre tout ce qui va autour puis finir par les yeux finalement, même si dans ma tête, faut que je commence par les yeux parce que je trouve ça trop bizarre, fait que j'ai goût de tout égaliser. Là, c'est un Shit Beauty Blender Bounce Skin Tint. Fait que j'imagine que ça va m'aider à... Bouncer. Ouais, à comme uniformiser toute cette patente-là, là, parce que là... Attends, mais ça... Ouais, genre... Parce que sinon, si tu essaies de me mettre ça en face, ça va me couler partout, là. C'est quand même liquide. Fait que mets ça sur le pinceau que... Ça peut pas être bon dans tout. On va mettre la foundation. Tu m'en demanderas plus jamais de te faire des vidéos. Écoutez, cher de make-up. Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire, je suis comme ça, c'est une vidéo qui coûte cher. Moi, je me moque pas. Puis tu l'as fait. Mais pas, c'est sûr que c'est pas super question, mais oui, t'es perfectionniste. Parce que Boyfriend, il a déjà fait genre de la peinture, puis il travaille comme un peu là-dedans, là, mais pas pour les faces. Hein. Fait que c'est sûr que t'as comme des plis de ça. Tu commences à avoir de l'air d'être embaumé. Ok. Là, il me semble tout à l'heure, j'ai vu un shit. On sait, mon amour, c'est une petite pompe. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ah non, c'est ce produit-là qui est de la merde de ce type qui fait des stries. Pourquoi tu m'en as déjà mis ça? Non, mais je t'avais mis ça en dessous des yeux. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Enfin, je vais te dire c'était quoi toutes mes étapes ou tu t'en fous? Je m'en fous un peu, là. Tu pourrais le dire pour le... Non, mais par curiosité, genre. Il sacre. Marc, t'as l'air embaumé. Je me vois même pas, mais je vois juste que... J'essaie d'ouvrir le shit, là, mais... Je vais pas m'en coller partout. Mais je pense que c'est genre un peu crémeux. Tu chauffes mes yeux? Non, oui. Oh, là, on parle! C'est quoi que t'as fait? Hein? C'est où tu m'en as mis? En dessous, c'est là. Faut mettre ça sur le dessus. On va prendre la table au pire. Chris, ça colore pas, tabarnak? C'est parce que je t'ai trop scrappé avec tes jumis avant? Non, je pense pas. Ça me chatouille. J'essaie de me rapprocher de ta muqueuse supérieure. Ok. Tu connais les termes de tout? C'est-tu beau, hein? Je pense que oui. C'est-tu bon? Non. C'est là que je suis utile. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Je me sens que je t'ai entendu souvent parler. C'est le oula. Le oula où? C'est souvent. Tu voulais-tu faire un effet? Je sais pas. Ok, ça me prend du blush. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est les affaires universal, là, c'est pour tout ce soir. Ok, puis là, tu choisis cette couleur-là? Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Mais... Non, c'est ça qu'il faut. Toi, c'est cette couleur-là que tu veux? Ouais. C'est de l'art utilisé souvent, celle-là, hein, parce qu'il en reste plus un. Hein. Il faut que tu expliques qu'est-ce que tu veux. Ben là, je mets des trucs ici que je vais aller estomper pour faire un tout blush. On va y aller avec les doigts, encore plus. Oh, wow! T'as-tu mes pommettes? C'était quoi tout à l'heure le chez eux for the result? L'illuminateur? C'est quoi là? L'illuminateur, c'est ça. C'est quoi tu fais? T'expliques ton cheminement? Je mets un illuminator, c'est genre pour faire ressortir des ondes illuminées. Puis là, t'en as mis où? Pour t'en mettre ça. Ok. Pour mettre en valeur ma lumière. Ouais. Ok, puis là. Mais c'est le bout de tes pommettes pour faire ressortir tes pommettes. Qu'est-ce qu'il faut bien t'en mettre du produit, Calis, pour que tu fasses de quoi? Ben, il y en a des moins bons puis des plus bons. Mettons, ceux-là, je l'aime pas. Je l'utilise pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est sûr que je vais me démaquiller après? Ouais. Ok. Oh, Bro Pencil! Ça fait peur, ok? C'est ça, quoi? C'est le crayon NYX Lift and Snatch dans la couleur Espresso. Puis c'est vraiment une petite fine mine. Donc ça me laisse présager qu'il faut que je dessine des poils. Ben, c'est pas mon plan. Puis comment tu trouves ça? C'est atroce. Je pensais que t'avais un genre de pinceau là, pour les brosser. Mais tu sais. Il y a ça. Ok, là c'est quoi tu veux faire? Tu veux chanter mes yeux? Ouais. Tu sais à quoi ça sert ça? Mais oui, mais t'arrives. Ah, je suis le groupe là. Bouge pas là, tu vas perdre un temps. T'as pas de mascara là? Oh, je l'ai trouvé. Arrête de te sauver, Calis. Mais ça fait peur, Calis, t'es là. Oh.
sauver. Oh, ok, je vais me le mettre. J'ai peur. Mon poulain va vouloir m'engager. Tu veux que je ferme les yeux? Ouais, ça c'est du eyeliner. De Lise Wattier, encre noire. Très bon eyeliner. Fait que, ouais, me rabat ça, tu fermes tes yeux. Qu'est-ce que tu mets ça où, là? Hey, laisse-moi faire, là. Mon vieux l'autre œil. Mais tu me vois pas. C'est sûr, j'ai fait de quoi de pas correct, puisqu'il se délaye tout. Et après ça, tu me fais-tu un petit photoshoot? Oh oui! Mes story close friends vont s'en délecter. Bon, ok. On va mettre un petit baume à lèvres réparateur avant de mettre la petite couleur. Je mets le baume à lèvres Omi. Si jamais vous voulez avoir une face comme ça, Ariane G20. Xiaomi. Best baume à lèvres du monde. Ok, là, me semble tout à l'heure, c'est ça. Ça approche de la fin, la gang. C'est quoi que tu mets? Là, je mets du huile à lèvres teintée. Balmy Gloss de Ilia. Dans la teinte. Only You. C'est ça? Ouais. Non, pas... Et là, c'est normal. Ok, là, on est dans autre chose sérieuse. Là, c'est le Sephora Colorful Matte. Et ça, je vais en mettre comme pomponner un peu partout, genre comme unifier le teint, que ça soit moins glossy, bizarre, puis qu'on voit moins un peu mes erreurs. Ça a tout corrigé. Ah ouais, c'est parfait ça. Ça, c'est le Omi Laboratoire Eau d'Aquifère. Ça, Johnny vous en a parlé souvent. C'est genre la troisième merveille du monde. Ouais, c'est genre mon produit préféré. Ouais, Ariane G20. Si vous voulez envoyer une face de main. C'est très vendeur. Ah, oh, ça fait du bien ça. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de setter mon maquillage. On a terminé? Ouais, attends, je vais vous montrer ça. C'est ça, hein, papa, hein? Allez-vous venir au salon funéraire? Sérieusement, dans l'écran de retour, ça a l'air moins pire. Ah ouais? Ouais. Ben, à ce que je vois, c'est surtout le eyeliner qui a de l'air chaotique, là. Puis ici, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais, c'est quand même pas pire. Je pensais que ça allait être pire que ça. Fait que je veux juste, je sais pas, je suis capable de me rapprocher, là, pis qu'on voit comme du monde. Et ça, c'est pas pire, hein? Vous verrez pas la différence avec du lune. Pis j'ai l'air d'un lutteur, je trouve. D'une lutteuse, genre? Ouais. Qui s'est maquillée, comme. Le truc vert, c'est quand même beau. Mais pas la manière que tu l'as appliqué, là, mais genre. Comment ça? Le produit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le produit, je mettrais pas ça comme habituellement, mais pour une occasion spéciale, je trouve vraiment que ça fait beau. La couleur avec mes yeux. Ouais. Pis ça a l'air d'être un bon. Je suis un professionnel. Puis le train, c'est très. Ici, c'est weird. Puis ici aussi, j'ai comme du orange de même. Je sais pas si ça paraît à caméra. Puis les lèvres, c'est. Puis mon poil ici de sourcil, j'ai pas trop compris là. Mais c'est parce que t'as bougé. Fait que mettons que j'irais pas chercher une chaîne à la garderie de même. Ah non, je pense que c'était ça le challenge. C'est le eyeliner qui a gagné, hein. Bon, fait que je trouve que tu t'es quand même pas mal débrouillé là, dans le sens que t'avais quand même un peu des bases, des trucs que tu savais où t'enligner. T'avais l'air de savoir tes étapes, c'est plus comme comment appliquer les choses. Mais t'avais pas de beauty blender. Moi, c'est ça qu'ils ont tout le temps, les beauty gurus. Ouais, mais pas moi. C'est ils, comme. Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais concentrée. Première étape, c'est surtout. Drette en partant, je trouve que tu t'es planté. C'est que toi, t'as voulu mettre le concealer, genre, les triangles qu'elle se fait en dessous des yeux, là, si tu veux. Mais genre, pour corriger, c'est ça, concealer. Ok. Mais toi, t'as mis, genre, mon petit fond de teint teinté, là. Pis ça, d'habitude, moi, je l'applique comme avec mes doigts, là. Ok. Fait que ça me faisait bien rire. Que en plus, t'as pris, genre. Mais qu'est-ce que tu faisais par te planter? Faut que ce soit un succès. Puis en plus, c'est ce qui m'a fait encore plus rire, c'est quand t'as pris le pinceau à blush, que genre clairement il était tout rose et rouge, que genre il y avait un indice que c'était un pinceau à blush pour me faire mon teint. Est-ce que ça m'a fait rire? T'sais, sinon, les sourcils, t'as pris les bons produits. Mascara, ben c'est pas toi qui l'as fait, là, mais c'était le bon produit. Fait que ouais, tu t'es vraiment planté pour le teint, mais en même temps, on dirait que t'as tout mis. Dans le fond, d'habitude, ça c'est concealer, c'est ça que je mets en premier ici. Puis après ça, ben dépendamment des jours, là, soit j'utilise ça ou j'utilise ça. Pas les deux, là. Toi, t'as mis les deux. Puis souvent, des fois, je mélange ça avec ça, là. Mais ça, c'est juste un petit plus pour être bronzé. Fait que ça, c'était comme drôle, là. Tu m'en as mis épais aussi. Là, tu essayes de m'appliquer le concealer avec ça. Ça aussi, ça m'a bien fait rire, là. Parce que c'est vrai que la majorité du monde prennent un beauty blender, là.
mais moi je prends mes doigts. Je trouve que c'est la meilleure affaire, puis c'est plus hygiénique. Mais tes doigts, ils étaient pas sur la table. Non, je sais. Sinon, ça aussi, tu l'as mis tôt. C'est genre le bronzer, c'est une des dernières affaires qu'on met, puis tu l'as mis fucking tôt, puis t'en as mis beaucoup concentré ici. Fait que c'est pour ça que je suis genre un raton laveur orange. Mais oui, c'est un produit que j'aime, mais c'est ça. C'est, il fallait plus que t'en appliques comme un peu partout, genre. C'est comme pour bronzer. Le blush, t'as quand même pas fait la place où tu l'as mis. En plus, j'étais surprise, tu l'as quand même mis de même. Parce qu'une erreur que souvent, mais même les filles, ils font ça, ils se le mettent genre dans le milieu ici des joues. Mais Beauty Guru, ils disent que c'est vraiment là qu'on met du blush. Non, sur ton os, ça. Ouais. Fait que ça, tu l'as bien fait, mais ton application était vraiment à chier, là. Mais c'est pas grave. L'affaire aussi qui m'a fait rire, c'est quand tu m'as mis du illuminateur de même en plein milieu de la joue intensément. Puis l'autre affaire qui m'a vraiment fait marrer, c'est ceci. Ça, c'est genre un ombre à paupières. Toi, tu m'as appliqué ça à grandeur du visage comme si c'était une poudre translucide. La poudre translucide pour fixer le maquillage, c'est ça ici. Mais c'est pas écrit ici. Elle s'est écrit poudre libre, fixante, transparente. Mais ça, tu viens de la sortir, t'as même pas sur la table. Oh oui, t'as sur la table. Je l'ai pas sortie au début, mais après ça, j'ai dit, je vais aller chercher quelque chose, puis je l'ai mis. Ok. C'est juste que parce que ce pinceau-là, il était pas là, tu sais. C'est ça, je t'ai dit, après que t'as fait. Ouais, après qu'on ait fini la vidéo. Non, non, on me voit dans la vidéo aller le chercher. Mais c'est juste que quand j'ai été chercher ça puis j'ai rajouté ça, après que t'as fait les yeux ou whatever, t'as pas checké le paquet. Puis tu sais, cette étape-là, honnêtement, je la fais pas. Je la fais juste quand j'ai une occasion spéciale là, de matifier pis tout là. Mais c'est une occasion spéciale là. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Puis les lèvres, c'était quand même pas stupide, mais habituellement, j'aurais plus mis genre soit un lip gloss, soit un baume à lèvres. Ou sinon, t'aurais pu mettre un multi, genre un blush sur les lèvres ou un multi-stick, puis après mettre ça. Fait que c'est ça? C'est ce qui conclut la vidéo. J'ai trouvé ça bien le fun. C'est une belle activité de coupe. Ouais. Prochaine fois, c'est moi qui te maquille. Non. Fait que je vais laver mes pinceaux, puis je vais aller me laver la face aussi. Comment ça? Fait que vous nous direz en commentaire comment vous trouvez que Boyfriend s'est débrouillé. Mais pour vrai, t'avais quand même des. Je voyais qu'il y avait certaines affaires que tu te rappelais, pis t'avais quand même des bases là. T'as quand même passé. C'est juste que t'as des skills à affiner, mettons. Ouais, mais j'ai pas prévu de faire ça souvent. Hein? Non, je sais, mais. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir aimé ça. Ok, gros bisous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!